je pense que vous avez besoin de reprendre des forces. Je vais vous aider si vous voulez. Je suis resté évanoui longtemps. Une bonne heure. Vous allez mieux maintenant? Vous avez été très bonne avec moi, je vous en remercie. Est-ce que vous avez un fiancé? Non. Vous vous appelez comment? Sylvia. C'est un prénom que j'aime bien. C'est joli et je trouve que ça vous va bien. Dans votre sommeil, vous avez prononcé le nom d'une femme. Eden? Ça veut dire quelque chose pour vous? Oui. Pourtant, vous n'avez pas d'alliance, alors vous n'êtes pas marié. C'est peut-être simplement votre ami. Je ne me souviens plus. Je voudrais me souvenir. Et je n'y arrive pas. Il faut que vous m'aidiez à m'enfuir. Il faut que je me sauve. Non, non, attendez, attendez. Si vous me venez en aide, je vous promets de vous emmener. Ah, t'es là. Belle journée, hein? Oui. J'ai du nouveau. Je suis allé à l'acheter là où ils louent les bateaux. Ils ont signalé qu'un de leurs bateaux a été volé le jour où Cruz a disparu. Quoi? Oui, voilà, la police pense que Cruz a sans doute été transporté dans ce bateau. Et laissé à la dérive. En tout cas, les gardes-côtes ont été prévenus et ils ont commencé leur recherche. Ils ont même décidé de fouiller toutes les îles des environs. Mais c'est fantastique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais on ne l'a pas encore retrouvé. C'est grand, l'océan. Ils vont le retrouver. J'en suis certaine. Cruz est vivant. Promettez-moi. Quoi ? Promettez-moi que si je vous détache, je pourrai partir avec vous. Que vous m'emmènerez sur le continent. Je vous le promets. Je vous le jure. Merci. Qu'est-ce que tu es en train de faire ?